Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FES 2016 pour la suite de la compétition de la Ligue 1. Et nous sommes le 9 mai 2016 et aujourd'hui, nous allons jouer contre l'Olympique de Marseille pour la 37e journée. Donc oui, avant que vous me dites en commentaire, tu te trompes de date. La vidéo est publiée le 20 mai. Oui, mais je parle dans le jeu. Voilà. Donc voilà. Allons-y, c'est parti. Et souhaitez-moi un très bon match. Allez, go. Alors, nous allons jouer en rouge, eux en blanc. Et nous allons jouer à notre domicile. Ce qui est très bien. Je crois qu'au match aller contre l'Olympique de Marseille, j'avais perdu. Donc là, en espérant que je vais gagner. Spectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble. Quelle ambiance de folie. Ça va pouvoir commencer. Ouais. Surtout que donc le LOS contre l'Olympique de Marseille. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette. Salut Grégoire, salut à tous. On est impatients de vivre cette opposition entre deux équipes, somme toute assez séduisante. Surtout que le match c'est presque la fin de la Ligue 1. Hein. Je suis terriblement triste. On est parti pour 90 minutes. Enfin, la Ligue 1, normalement, elle est finie en temps réel. Lille qui possède la meilleure attaque de ce championnat. Et c'est mérité. Origi. Charo. Non, garde le ballon. Non, pas toi, donne-moi le ballon, donne-moi le ballon. Donne-moi la balle. Oh, Gignac. Donne la balle. Qui oh là 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 là. Confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter. Oh Marseille, tu vas me faire. Aujourd'hui. Eh mais dégage-moi de là toi. Dégage-moi de là, dégage-moi de là, dégage-moi de là. Quoi faute? Mais non, y a pas faute. Arrête, c'est lui, il est tombé tout seul. Allez. Imboula. Non mais dégage, dégage. Mais non mais dégagez. Oh mais, mais allez vous faire. Ah, c'était ambitieux, mais dégagez putain. À cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Va-t-il en profiter? Waouh. En même temps, on joue contre l'Olympique de Marseille. Hein, l'Olympique de Marseille qui a gagné aucun match et qu'ils ont mis leur club en vente, je rappelle. Hein, la honte. Et qui joue en Coupe de France à partir de samedi. Contre le PSG et qui vont aussi perdre. C'est et là, ça. Ils vont se prendre un but. Allez. Yes. 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 Moi, l'Olympique de Marseille, c'est terminé. Je ne les supporte plus. À chaque fois, chaque année, je suis déçu envers eux. Alors là, l'année dernière, ça a été encore. Mais là, cette année, ça a été une catastrophe. D'ailleurs, j'ai abandonné. J'ai abandonné, j'ai arrêté de regarder les matchs sur Canal ou quoi. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de perdre. Même contre les équipes les plus faciles, ils ont perdu. Tout perdu. Par contre, le PSG, on fait un très bon parcours. Enfin, il y en a qui disent qu'ils ont triché. Mais... ils sont bien rentrés dans ce match. Bon, voilà. Après, c'est des jaloux. Parce que, en fait... Paris Saint-Germain, il faut quand même avouer, ils ont Thiago Silva, David Luiz, ils ont Evra, je n'aime pas trop, Evra, je n'aime pas trop, je le déteste, ce gars-là, mais bon. Attention, je ne veux pas dire que je tiens pour Paris. La passe est précise. Martin. Non, mon équipe cette année, c'est Lille et Lyon, c'est tout. Le voilà servi, donc ça va partir vite. C'est bien ce qu'il fait là. Il peut en profiter. Lille s'en sort très très bien sur cette phase de jeu. Lille qui est passé tout près de convertir cette contre-attaque. Attention à ne pas lui donner une seconde chance. Ah, attends, je sens très gros. Il reste encore. Il cherche à le servir. Allez, c'est dangereux. Oh là là, mais comment elle a fait pour rater? Comment elle a fait pour rater ça? Putain, elle était juste devant. Regardez. Oh, le bug. Le bras, il est passé à travers sa tête, vous avez vu? Hein? Voilà.
Tac, vas-y. Attention, ça peut aller. Attendez, moi je regarde la, sur la télé parce que, au cas où si mon ordi se fige ou quoi. Il est en bonne position pour centrer. Il rejoue derrière lui. Il la tente. Il la tente, mais il n'a pas réussi. Et non, et un petit corner, putain, j'ai. Voilà, bien joué, gros. Allez. Non, allez. On va y arriver. Il n'a pas hésité, c'est propre. C'est propre, c'est normal, je me suis lavé ce matin. Ouais, c'est tout seul. Ouais, là. Il a le champ libre. Alors là, c'est tout de même pas très rassurant de la part du gardien. D'avoir repoussé comme ça. Voilà. Il faut faire les bons choix. Quelle inspiration. Donc c'est la fin de PES pour cette année. Je vous rappelle qu'il y aura en fait, il y aura quand même PES 2017 quand il sortira, c'est-à-dire septembre, octobre, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort exactement. Je sais que FIFA 17 devrait sortir fin septembre, comme d'habitude. C'est bien fait, ça. Bonne interception. D'ailleurs, faudrait que j'aille réserver les jeux. Et but pour l'Olympique lyonnaise. Lilloise, pardon. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai pris Lille, parce qu'on est à... moi j'habite à 1 heure de Lille en train. En voiture, c'est un peu plus longtemps. Et comme l'équipe de Boulogne-sur-Mer, si vous connaissez un peu Boulogne-sur-Mer, l'USBCO qui a été en Ligue 1 en 2012-2013, j'avais pris cette équipe-là dans FIFA 12 et dans PES 2012 ou 2013, je sais plus. Mais comme ils sont redescendus en nationaire, ben voilà. Hop là. Le centre. Hop, allez. Oh là. T'aurais pu marquer, putain. Mais à chaque fois, lui, il rate ses ballons. T'as le centre, il était beau, arrête. Ouais, ça va, je gagne. Je gagne 2-0, c'est bon. Eh ben, si tu ressembles beaucoup, va sur le terrain et joue. Putain, lui, à chaque fois, lui, il sort de conneries. C'est bien ce qu'il fait côté gauche, mais ça manque de soutien. Ah là, allez. Hop là. Oh putain. Ah, mais t'es hors jeu, mec, t'es hors jeu. Je pouvais pas te passer la balle. Vas-y, on est chaud. Va-t-il en profiter ? Corchia qui cherche la faille. On le contre, l'arme fatale. Allez. Grosse occasion. Eh, pas but. Ayou. Imboula. Tovin. Oh là, c'est chaud. Oh putain, le tac. Bon, ah, il a pas faute. C'est trop bien. Mais avancez. Fanny. Origi et ce magnifique tacle glissé. C'est un bon ballon. Allez jusqu'au bout. Oh, poteau, putain. Eh, sérieusement, je joue contre l'Olympique de Marseille. C'est bien, mais... Imboula. La passe est précise. Romao. Nkoulou. Voilà, c'est la fin du match. Deux buts d'avance. Enfin, non, c'est la fin de la première période, pardon. Vous allez voir, on va arriver en... C'est bon. Si on rattrape le Paris Saint-Germain premier, ah, ce serait vraiment magnifique.
Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. La passe dans la profondeur. Quelle fait du bien cette interception. Ouf, le sérieux coup de chaud, ils s'en sortent bien. Mais non, mais putain, vous avez fait quoi là, les gars? Le ballon sort en touche. Non, mais merde, mais j'ai fait quoi, moi? Donne-moi la balle. Allez, garde le ballon. L'Olympique de Marseille, qui a été très critiqué après le dernier match, perdu sur une erreur de coaching. Oui, et j'ai l'impression que les joueurs n'ont pas bien compris ce qu'ils cherchaient à faire. Et dans ce cas-là, eh bien, ça se finit rarement autrement que par une défaite. Sans blague. C'est bien conservé. De toute façon, même maintenant. Dans le jeu, l'Olympique de Marseille perd tous leurs matchs. Hein, Martin, Balmont, Origi, le voilà servi. Il a pris tout le monde de vitesse. Il a Allez, 3-0. Ça peut être dangereux. Allez. Nouveau but dans ce match. 3 buts d'avance. On est en train de les niquer. 3-0, c'est bon, ils ont perdu. Une frappe monstrueuse, c'est imparable. Oui, il a senti qu'elle allait rentrer au moment où il a frappé. Il a tout donné sur ce coup-là. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Va-t-il en profiter? Attention, la frappe! La bonne présence du gardien sur cette frappe dangereuse. Ta place. Je parle à mon chien. Corchia, il va frapper le corner, bien sûr, il est tellement dangereux dans cet exercice. Le ballon est repoussé. Le ballon est repoussé. Imbula. Imbula. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. Changement, c'est important. Payet. Il décide d'allonger le jeu. Le geste plein d'autorité, quel tacle. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Oui, mais ça ne passera pas. Sidibé qui est bien en jambe, mais ça n'aura pas suffi. Bon, vous allez me pardonner, mais là, on commence à s'ennuyer. Pas de mouvement, c'est beaucoup trop lent. Balmont, voici Martin. Il est à distance de tir. Ayou. C'est bien fait, ça. Allez, allez, allez. L'OM, ils vont peut-être marquer un but. Gignac. Et c'était cadré. Il avait réussi le plus difficile. Prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. Ouais. Ouais, 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 ouais. Romaro. Martin. Il avance bien. À mon avis, pour faire 4-0, ça va être compliqué, je pense. Ah, ça, ils pourront pas rattraper, ça, c'est bien. Quelle passe. Va-t-il en profiter? Eh merde. Imbula. Ah putain. Il n'a pas hésité, c'est propre. Gignac. Vers le ballon. Cette longue phase offensive qui se termine par une perte de balle, c'est dommage. Balmont. Corchia. C'est joué long, c'est dangereux. Une occasion. Oh, l'occasion. Oh là 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 là. Gana, putain, mais quel con. La position était idéale face au gardien. Il se débrouille pour ne pas marquer. C'est presque un exploit. Il avait carrément de champ libre. Putain, mais il est vraiment con. On s'en fout du changement, allez. Ayou, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Origi, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Ça, oh mais là là, mais vous êtes... Eh, vous êtes sérieux les gars? Ils sont capables de remonter le terrain, ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement.
Javi, mais t'es sérieux, toi? L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Ouais, mais toi, tu répètes toujours la même chose, toi. Arrête de dire des conneries, s'il te plaît. Long ballon dans le sens du jeu. Garde le ballon. Oui, il peut frapper là. Poteau rentrant 4-0. Allez, hop là, pour cette fin de match. Yo. Une frappe aussi. Ça mérite un j'aime, ça. Ça mérite un like. Pour ce poteau rentrant, ça mérite un petit like. Ouais. Carrément. Et Romao, il a cru me prendre la balle. Regardez, en plus, il me pousse, hein. Il me pousse, c'est tout. Vas-y. Machin, il reprend la balle. Ghana, ben oui. Ghana, vas-y, Ghana. Ghana, il met le poteau rentrant, voilà. Et Ghana, c'est un Congolais, c'est pas un Français. Voilà. La plupart dans l'équipe de foot de France, c'est que... enfin, je dirais rien. Complètement le match maintenant. Voilà, il récupère pas la balle, sinon tu vas avoir un carton. Oh, Gignac. Pacha, il joue dans la profondeur. Vas-y maintenant. Le voilà, vas-y, fais-nous rêver. Allez, oui, mais vas-y, mais... Voilà, vas-y, fais-nous rêver. Vas-y, allez. Mais va... Ça n'arrivera pas. Allez, carton rouge. Carton jaune. Je sais plus quoi. Allez, c'est la fin du match. Allez. Ça, là, voilà, c'est la fin du match. Et 2 minutes de temps additionnel. En 2 minutes, on peut faire beaucoup de choses. C'est bien fait, ça. Ça peut aller au bout. Et 5-0, allez, boum. Allez, l'Olympique de Marseille, allez. T'es nul, allez, vas-y, va te faire. Tout est magnifique dans ce but. C'est bon. Et le doublé. T'es dédicace à Johanna, le roi. Le truc, c'est que, bon, bah, écoute, l'Olympique de Marseille, je les ai mis par terre. Bon, voilà, allez, bisous. Ah, voilà. En même temps, c'est bien battu, hein. Franchement, je le mérite de gagner. Il va siffler. Hop, voilà, c'est bien. Allez. Siff. Allez, siff. Oh là 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 là. Il n'y avait pas de carton depuis le début du match. Vas-y, c'est bon, c'est un carton jaune. Arrête, c'est bon. Allez. De toute façon, ils sont nuls. Voilà, le coup de sifflet final. L'Olympique de Marseille les a mis à terre. Positif, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration, tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Même dans le jeu, ils arrivent à perdre. Pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Bon, et oui, enfin non, bref. Encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. Ok, bon. C'est terminé, on a pris beaucoup de plaisir cet après-midi et merci pour votre analyse, Darren. A bientôt. A bientôt. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Moi aussi, je vais vous laisser. N'oubliez pas de laisser un petit like ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à venir vous abonner si cette vidéo vous a plu. Hein, il y en aura d'autres. Enfin, il y en a plus beaucoup sur PES. Mais en attendant, l'année prochaine, je retournerai sur FIFA dès que la compétition sera finie. Mais juste avant, nous allons regarder notre fameux classement. Allons-y. Alors, on va regarder si déjà le Paris Saint-Germain a-t-il perdu ? Ah putain, les bâtards, ils ont encore gagné. Putain. Je suis à 7 points de eux. J'étais à 6 points l'autre coup, maintenant je suis à 7 points. Putain. Bon, sur le podium, je serai... Ouais, non, bah, je serai deuxième. Bon, deuxième, c'est déjà pas mal, hein. J'ai perdu quelques matchs, donc voilà.
Et nous allons voir contre quelle équipe nous allons jouer prochainement. Et nous jouerons la Coupe de France. La finale contre l'Olympique Lyonnaise. Donc voilà, c'est tout quoi. Hein? Sur ce, moi je vous laisse. Puis je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Allez, bye.